Alors chaud ce prologue? Ouais, très chaud même. On n'a pas l'habitude de rouler, même si j'aime bien la chaleur, de rouler par de telles températures. On a tout donné et ça s'est bien passé, c'est oui, le principal. Même par rapport à Chypre où tu étais allé, où, là ça n'a rien à voir, c'est encore un cran au-dessus la chaleur. Ouais, mais heureusement pour moi, mon niveau je pense être un cran au-dessus. Maintenant c'est une course longue donc c'est difficile, donc on verra bien après la semaine, mais pour le moment on est confiant. Comment ça s'est passé entre vous? Ça, tout va bien? Les niveaux sont à peu près identiques? Vous complétez bien? Ouais, on est fort similaire au niveau du niveau. Techniquement, il y avait beaucoup de single track et j'étais un peu plus à l'aise, donc j'ai fait la trace. Et ça nous a permis de gagner du temps. Et dans le couloir, France c'était costaud aussi. Mais je pense que c'était plus un parcours cross-country aujourd'hui, donc ça me convenait mieux. Et dans les prochains jours où l'endurance sera privilégié, je pense que ce sera plutôt moi qui ferai mollo avec France. Allez, bonne chance pour la suite Léopard. Ciao. Voilà nos deux amateurs qui sont arrivés là. You know, like the first time you open a watermelon, you don't know what's outside. Right now the Bahrain Merida team, it's a good watermelon, but we don't know what it is inside. And today was the day to open a little bit, and I enjoy it. It's a completely different epic for me. It's not hectic like the last time I made with Rudy. We wanted to fight for the overall, and today was a day to learn, to teach Purito, and Purito was holding the wheel, so we talked to each other, how was the situation, how was the pace, and that's important. Step by step, I think, still a lot of days. You know, this is the aperitif of the epic, and we have a lot of days. But check this guy, he's finishing with a smile, so that was the goal.